Les aventures de Victor Pégum. Voici Victor Pégum. Alors, ce roman, d'après Bertrand Fichou, Les aventures de Victor Pégum sur la planète des vacances. Alors, je vais vous raconter ce conte. Alors, bonjour, comment allez-vous, mes chers? Vous allez bien? Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, pendant cet été, je vais vous raconter quelques histoires. Alors aujourd'hui, les aventures de Victor Bigboom. C'est quoi un homme du bois? Papa me répond en rugissant. Un homme du bois, c'est un homme qui n'a pas oublié l'animal qui est en lui. Un homme proche de la nature. Un homme qui n'a pas besoin de confort peut être heureux. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'explication de ou la réponse de la question posée par l'enfant à son père. C'est quoi un homme du bois? Un homme du bois, c'est un homme qui n'a pas oublié l'animal qui est en lui. Vous avez bien compris. Alors, l'homme, en lui, il y a un animal. Et un homme du bois, un homme de la forêt, un homme qui aime l'aventure dans la forêt, qui n'a pas oublié l'animal qui est en lui. Un homme proche de la nature, voilà. Un homme qui n'a pas besoin de confort pour être heureux. Il est déjà heureux. Ah ben, en approchant bien dans la nature. Un homme qui n'a pas besoin de confort pour être heureux. Il est déjà heureux dans la nature. Tu ne veux pas devenir homme du bois avec moi? Je m'inquiète. Un homme du bois, ça joue aux jeux vidéo? Alors, c'est une question posée par l'enfant. Un homme du bois, ça joue aux jeux vidéo? Pourquoi faire? S'écrie papa. Tu ne vas quand même pas te promener dans la forêt avec ta console. Alors, la console du jeu, bien sûr. Pourquoi faire? S'écrie papa, tu ne vas quand même pas te promener dans la forêt avec ta console. On va construire une cabane et tu n'y penseras plus à tes jeux électroniques. Alors, dans la forêt, on va construire une cabane, on commence l'aventure dans la forêt et tu n'y penseras plus. Et tu n'y penseras plus à tes jeux électroniques. Maman s'allonge dans la hamac. Moi, je commencerai bien par une petite sieste. Ben, nous, on part explorer la forêt des papas. On part explorer des papas. Explorer. Aimer les aventures dans la forêt. Alors, c'est cela. C'est un roman d'après Bertrand Fuchsou. Les aventures de Victor Pégum. Voilà. Alors, à la prochaine vidéo, je vais vous raconter une autre histoire. À très